Accepter de ne pas avoir raison, c'est commencer à guérir. C'est en acceptant de lâcher prise que tu réaliseras qu'en fait, ta paix intérieure est bien plus importante que le fait de te battre pour avoir raison. Bonjour, je suis Lily, votre coach holistique. J'aide les êtres en mal-être, je soigne vos mots avec mes mots pour vous accompagner dans votre ouverture de conscience. Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Merci. En bas de la vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger un module complet pour éliminer le jugement de votre vie. Aussi bien le jugement des autres, mais aussi le jugement que tu portes sur toi-même. Aujourd'hui, nous arrêtons de vouloir avoir raison. En voulant changer les autres, tu es dans l'exigence que les choses changent, que l'autre, que les autres changent. L'exigence apporte la souffrance parce qu'on n'obtiendra jamais ce changement que nous exigeons chez les autres. Tu as raison parce que ce sont tes valeurs. C'est comme ça que les autres devraient penser. C'est comme ça qu'ils devraient se comporter parce que c'est ta logique. Tu as mal de voir tes valeurs être piétinées. Tu es énervé quand tu observes les autres se comporter comme des idiots. Tu ne comprends pas pourquoi les autres pensent différemment de toi. Mais ta logique n'est pas forcément celle de l'autre, des autres. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne feras jamais changer les autres. Tu auras beau te battre toute une vie, l'autre ne changera pas parce que tu as raison, ou parce que tu le souhaites, ou encore parce que tu l'exiges. Bien au contraire. Avec ton combat, tu te fais mal tout seul. Tu te bats tout seul. Tu t'apportes à toi-même une souffrance dont tu n'as pas besoin. Chacun a sa propre vérité, qui est en fonction de sa propre éducation, des codes de société où il évolue, de ses propres expériences de vie. Vouloir avoir raison, c'est en fait continuer à te battre pour rien. Depuis combien de temps tu te bats pour que les autres pensent et font comme toi? Pendant combien de temps encore vas-tu te battre pour que les autres acceptent qui tu es? Si tu n'acceptes pas l'autre, l'autre ne t'acceptera pas non plus. Eh oui, apprends à accepter les autres tels qu'ils sont. Pour te libérer. Tu verras que ta paix intérieure est bien plus importante que ce que les autres sont. Accepte que l'autre a tort. Il a besoin de faire son expérience. Accepte que l'autre ait raison. Parce que pour lui, il a certainement raison. Et donc, laisse-le avoir raison, si ça lui fait plaisir. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ta vision des choses. En utilisant ton énergie pour toi, au lieu de la gaspiller en combat inutile. Change ta vision et ton monde intérieur changera. Les autres te dérangent. C'est parce que tu es tourné vers l'extérieur et non vers toi, vers ton intérieur. Détourne ton attention vers toi et l'extérieur t'apportera plus. Peu importe ce que les autres pensent, disent ou font, le plus important, c'est toi, pour toi. Et toi, es-tu tourné vers l'extérieur ou vers ton intérieur? Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Aidez-moi à faire vivre la chaîne parce que c'est pour vous. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous. You, rien que pour vous.